Bonjour et bienvenue au centre Simdog Haute-Garonne. Aujourd'hui, je vous présente Lasco, interview renne de 3 ans que je viens de récupérer pour le sauver de l'euthanasie. C'est un chien qui a subi une préparation par un soi-disant éducateur spécialisé dans le chien de sécurité. Il a connu le collier électrique, il a connu le collier étrangleur, il a été mis au mordant très tôt. Et comme ils n'arrivaient pas à en faire ce qu'ils voulaient, ils l'ont vendu à un particulier qui voulait un chien de garde. Malheureusement, la personne qui l'a récupéré s'est retrouvée avec un chien craintif et avec une morsure très puissante. Du coup, il n'a pas su le gérer correctement. Développer le mordant chez un chien n'est pas nécessaire pour en faire un bon gardien. Avant tout, vous avez besoin d'un chien qui soit stable, qui soit à l'écoute, qui soit obéissant, avec lequel vous allez pouvoir créer un lien pour l'aider à devenir courageux et à lui donner envie de vous protéger et de protéger son environnement. C'est bon. Lasco, par manque de maîtrise et de cadre, a malheureusement déjà mordu 2 fois. Ça n'en fait pas un mauvais chien, c'est même un chien qui est plutôt sympa. Aujourd'hui, ce que je veux, c'est créer un lien avec lui, afin qu'il m'apprécie, qu'il me respecte, pour pouvoir l'aider, qui sait, à lui trouver une nouvelle vie et peut-être une nouvelle famille. So, if you leave me, babe, I won't die the same. No, I won't die the same. Oh, oh, so, if you leave me, babe, I'll be the one to blame. I'll be the one to blame. To the blame. Vous voyez, en fait, ils ont voulu faire un chien de sécu, mais au final, ils ont tellement cassé son caractère, tellement ils ont été durs avec lui, qu'aujourd'hui, en extérieur, il est vraiment pas à l'aise, il a peur, il veut vite s'en aller. Donc maintenant, moi, ce que je veux, avec le lien que j'ai créé et ma personnalité, je veux réussir à le mettre à l'aise dans cet environnement-là. Allez, viens. If you leave me, babe, I won't die the same. So, if you